Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je viens vers vous pour faire une vidéo en fait bijoux, parce que pour ceux qui me suivent sur internet, c'est vrai que je me suis mis à faire des bijoux maison entre guillemets, avec donc des petits accessoires, des choses métalliques, beaucoup de bijoux faits en fimo. J'ai l'intention en fait d'ouvrir ma e-boutique. Ça prend un peu de temps pour pouvoir le faire, il va déjà falloir que je fasse beaucoup de bijoux. Je dois ensuite aller à la chambre des métiers pour obtenir effectivement le droit en tout cas de vendre ces bijoux-là, puisque c'est interdit sinon. On peut le faire exceptionnellement je pense, mais moi je veux être en règle, j'ai pas envie d'être embêtée comme ça. Donc je préfère faire ça dans les règles, prendre mon temps, avoir vraiment de quoi exposer, de quoi vous proposer. Surtout que le concept est plutôt sympa, donc j'en ai parlé à personne. Je pense que vous allez être surprise, alors je sais que ça va prendre du temps. Je vous en parle brièvement, voilà, donc je vais déjà vous montrer un petit peu comment je m'organise. Un petit peu tous les accessoires que je peux avoir, et puis ensuite je vais vous montrer les 2-3 bijoux que j'ai déjà réalisés. A tout de suite. On passe aux bijoux. Bon, je vais pas tout vous montrer. La vidéo elle va être un peu fouillifouilla parce que je l'ai pas préparée du tout en fait. Donc du coup je peux vraiment pas tout vous montrer. Il y a des choses en cours, donc vous verrez en temps et en heure pour ceux qui me suivent sur Facebook, et je vous invite à me suivre sur Facebook. Alors il y a plusieurs choses. Bon, on va commencer par ça. Donc ça c'est plutôt commun, je vous l'accorde. C'est en fait tout ce qui est macaron. Donc là c'est une bague, je sais pas si vous voyez bien, est-ce qu'elle a fait le point? Voilà, une bague macaron, donc ce serait saveur fraîche chocolat ou quelque chose comme ça, un petit peu gourmand. Donc en fait quand vous la portez, ça fait cet effet là. Hop. Et j'ai eu beaucoup de compliments sur cette petite bague. Parce qu'en fait c'est vrai que c'est très très gourmand et ça passe, je veux dire, c'est pas forcément super... Bon, c'est pas discret hein, on est d'accord. Mais ce que je veux dire par là c'est que ça passe quoi, on voit pas tout de suite que c'est un macaron. En fait c'est assez subtil je pense, et c'est vraiment pour ceux qui aiment tout ce qui est gourmand. Pour ma part j'aime beaucoup ce type de bague et puis je la porte souvent celle-là d'ailleurs. Je la trouve rigolote, ça me plaît bien ce type de choses. En macaron aussi j'avais fait, donc ça beaucoup plus, c'est le pendentif. Le pendentif macaron rose comme ça, avec sa petite, son petit nœud. Donc hop. Et donc porter c'est juste super chouette quoi. Je sais pas si... Donc voilà. Donc les macarons, je sais pas si je les réussis spécialement bien. Moi j'aime bien quand ils sont plus petits que quand c'est grossier en fait. J'ai une autre bague qui s'appelle à l'instant T, qui est comme ça. En fait c'est une petite soucoupe en porcelaine, avec un petit nœud et une petite tasse en porcelaine également. Ça je sais que plusieurs d'entre vous m'en ont demandé. Et c'est vrai que porter, c'est juste... c'est fin, en fait. C'est chouette, c'est très girly. Voilà, donc une de mes créations que vous verrez prochainement sur le site. Donc vous pouvez faire des réservations, bien entendu, sur ce que vous souhaitez. Il vaut mieux me le dire à l'avance, parce que là arrive la période de Noël. Et j'ai déjà des petites commandes à droite à gauche. Donc j'espère que j'aurai le temps d'aller à la chambre des métiers avant Noël. En tout cas, je n'aurai pas trop le choix. Voilà, donc ensuite j'ai des sautoirs. Donc le premier, le voilà. Alors, je sais pas. Le premier sautoir, comme cela. Donc avec la petite cuillère sur le côté, comme cela. C'est en fait une fiole.
C'est une fiole avec un petit nœud et la petite cuillère qui rappelle toujours le côté un petit peu gourmand. Ça, c'est chouette aussi, j'aime bien. Enfin, c'est pas la fille narcissique comme toutes ses créations, non, c'est pas du tout ça. C'est déjà des choses que j'ai déjà vues, forcément, sauf qu'il n'y avait pas forcément le petit nœud, etc. Bon, je m'en suis inspirée, hein, clairement, de toute façon. Et j'aime beaucoup, 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 beaucoup que ça fait du bruit. C'est rigolo. Une petite fiole comme ça. Bon, bien sûr, les couleurs peuvent être changées, hein, c'est... Voilà, c'est ce type de choses que je vais présenter sur mon site. Vous l'avez vu, c'est bon, hein, je passe à autre chose. Toujours en sautoir. Le principe de la cuillère et de son macaron. Comme ceci. Donc cuillère en métal, un petit nœud en tissu, hein. Le cuir en métal plus ce tissu, ça rappelle beaucoup le côté vintage. Et le petit macaron en fimo, saveur citron. Nanana. Il ne faut pas manger. Donc en forme de sautoir. Hein. Comme ceci. J'essaie de faire en sorte que la caméra fasse le point et que vous puissiez bien voir. Voilà. Donc ça, j'avais jamais vu par contre. La grosse cuillère comme ça, parce que derrière, du coup, c'est comme ceci. La grosse cuillère avec le macaron sur le bord, le petit nœud effet boudoir. C'est vraiment ce que je vais rechercher sur mon site, en fait. Hein. Dans cet esprit, j'ai fait les boucles d'oreilles. Comme cela. Je regarde toujours à droite, mais c'est parce que j'ai la vitre. J'ai le miroir qui me permet de voir si on voit bien ce que je vais vous montrer, si vous voyez bien ce que je vais vous montrer. Donc la petite cuillère comme ça, toujours avec des petits nœuds roses. Alors ça, j'ai dû apporter, c'est rigolo, les gens ils me demandent toujours où est-ce que je l'ai eu et en fait c'est girly à souhait, hein, faut dire ce qui est. Si vous portez genre je sais pas avec les comme cela quoi. Pour le faire, j'ai appliqué en fait le petit bidule là. L'applique pour la boucle d'oreille, je l'ai pas mis exprès en comment ça s'appelle, en valseuse. Qu'est-ce que je dis? Je suis vraiment crevée. Bref, vous avez compris. En fait, j'ai fait en sorte que la boucle d'oreille reste rigide parce que sinon on voit pas bien le bijou et ça bouge en tous les sens, donc on voit pas bien. Donc j'ai préféré le faire comme cela. Donc j'ai deux petites choses ensuite à vous montrer puisque moi j'aime beaucoup tout ce qui est broche. Voilà, donc voilà une. Esprit gourmand inner. Une petite clé parce que je sais pas, j'aime bien les clés, j'ai toujours aimé ça. Donc des petits gâteaux comme ça en fimo. Petit gâteau au chocolat. Une sucette en fimo. Un petit gâteau, la petite cuillère et puis le petit nœud. Donc ça c'est juste trop choubidou et c'est vrai que j'en ai offert un à une de mes collègues. Elle le porte souvent et c'est vrai que porter c'est mignon en fait. C'est mignon quand on a une tenue par exemple très neutre avec un beau gilet noir et puis qu'on met effectivement cette broche. Voilà pour habiller le tout, ça peut être sympa. Donc dans le même concept, dernière chose, donc celle-ci, donc avec le petit macaron, est-ce que ça a fait le point? Voilà, le petit macaron, le gâteau connu, avec la petite tête de smiley, hein, un petit peu avec de la fimo dorée, je fais ça avec de la fimo dorée, pour avoir ce côté un petit peu brillant, le petit nœud, toujours cette petite cuillère, un gâteau. Celui-là, je ne l'ai pas fait, je l'ai acheté. Et la petite clé. Donc voilà un petit peu ce que je vais proposer. Là, c'est vraiment un échantillon. Vraiment, la luminosité, là, c'est horrible. Il fait noir et tout, c'est pas terrible. Puis vous voyez bien. J'espère que la présentation de ces petits bijoux vous a mis en appétit. En attendant, pour vous faire patienter, en attendant l'ouverture de ma e-boutique, je vous fais plein de gros bisous. Salut !